Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 8 juillet 2023, 10h41. Heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, vraiment très, très, très apprécié. On va mettre la politique de côté, mais pas vraiment, puis on va aller se tourner un peu vers le cinéma. La sortie d'un film le 4 juillet, d'un film vraiment particulier, a secoué. Le monde a secoué Hollywood, a secoué l'establishment, parce qu'on ne s'attendait pas d'abord à ce que ce film-là sorte un jour, mais surtout à ce qu'il ait autant de succès au box-office. Et je parle ici du film Sound of Freedom, qui met en vedette Jim Caviezel, le fameux Jim Caviezel qui a joué La Passion du Christ, qui avait tellement bouleversé le monde, mais qui avait aussi dérangé une certaine partie de l'establishment, encore une fois. Ce film, qui traite d'un sujet qui ne devrait pas être controversé, mais pas du tout, et l'exploitation sexuelle des enfants dans le monde. Et ce commerce rapporte plus de 35 milliards, j'ai bien dit 35 milliards de dollars par année. Contrairement à un gramme de cocaïne ou un gramme de marijuana, qui peut être vendu seulement une fois, un enfant peut être vendu plusieurs fois, et même dans la même journée. C'est horrible que ça se produise, c'est horrible que ça se passe à un niveau, et c'est le commerce illicite qui a le plus de progression et qui va dépasser éventuellement et très bientôt le commerce de la drogue. Beaucoup de gens sont scandalisés par ça. Ce n'est pas une conspiration, les chiffres sont là, il y a plus de 9 millions d'enfants qui sont abusés et exploités chaque année. Et Tim Ballard, qui, dont le film repose sur son histoire, est un ancien agent du FBI, de la CIA et du Homeland Security, qui était en charge, justement, de ce trafic sexuel d'enfants, spécialement à la frontière américano-mexicaine. On sait qu'il y a des centaines, des dizaines, des centaines de milliers d'enfants qui rentrent aux États-Unis d'âge mineur qui ne sont pas accompagnés par qui que ce soit avec un lien parental. Donc lui, Tim Ballard, cet agent-là, a par la suite pris sur lui-même de se lancer dans la libération d'enfants parce qu'il avait été touché par des histoires tragiques lorsqu'il était agent. Il a vu on lui a demandé naturellement de voir des vidéos qui l'ont bouleversé, des vidéos atroces d'exploitation, de viol d'enfants. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu le support de sa femme parce qu'il avait dit à sa femme, est-ce que j'arrête tout ça ou si je m'en vais dans une croisade? Elle lui a dit, je veux que tu t'en ailles dans une croisade. Le reste, on va s'en occuper. Les comptes à payer, ainsi de suite, parce que naturellement, en te lançant là-dedans, tu le sais que tu vas te mettre beaucoup de monde à dos. Et il a fait des découvertes incroyables, il raconte une histoire, je vous laisserai des liens d'entrevue, parce que ce film-là suscite encore beaucoup d'excitation et d'ébullition. Tout le monde en parle aux États-Unis, c'est un film qui ne sera pas distribué dans nos pays gauchistes, communistes, que ce soit en Europe, en France ou au Québec ou au Canada, parce que c'est comme ça. Parce qu'on essaye de normaliser hein, dans nos pays où on accepte tout. Et ça, c'est un des problèmes de l'hémisphère nord, c'est que on tolère n'importe quoi, puis on nous a habitués à tolérer tout ce qui peut exister comme déviation, comme dépravation, comme mouvement, comme mode. On tolère tout. J'aimerais que vous compreniez que dans la majorité des pays, si on s'en va dans l'hémisphère sud, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient aussi, que ce soit en Afrique,
tout ce qu'on tolère ici, sur le coup, on ferme les yeux et même on applaudit, qui est une forme de descente aux enfers pour la société, c'est pas toléré dans ces pays-là. Ces pays-là ne tolèrent pas ce que nous autres tolérons. On est devenu vraiment très tolérant, que c'en est devenu ridicule. Donc, il est allé partout, il a découvert des endroits. Entre autres, il raconte l'histoire d'un cartel, hein, de ces trafiqueurs d'enfants en Afrique, où on kidnappe les jeunes filles, on les viole, on les met enceintes, et il a tout filmé ça, là, lui. Tous ces documents-là sont véridiques et tu peux y avoir accès. Ce n'est pas des images que tu veux vraiment voir, là. Mais c'est pour te démontrer à quel point l'être humain n'a aucune limite dans ses bassesses, dans sa cruauté, puis dans sa dépravation. Donc, on kidnappe les jeunes filles, on les met enceintes, on les viole, on les accouche, après ça, on les élimine, on garde les bébés, on utilise les bébés pour du trafic d'organes. Après ça, naturellement, pour le trafic sexuel qui est... L'exploitation sexuelle commence à 3-4 ans. C'est horrible. Donc, ce film-là, pour faire une histoire courte, vous ferez vos propres recherches. C'est hallucinant. Même ici, au Canada, en Alberta, je pense, quelque part, dans le coin d'Edmonton, il n'y a pas longtemps, ils ont découvert des réseaux avec... Tu as des millions d'images et de documents et de films de jeunes enfants qui sont violés, qui sont exploités. C'est horrible. Naturellement, c'est un sujet qui dérange Hollywood. Hollywood n'a pas voulu toucher à ce film-là. Ce film-là est fini, produit, édité depuis 5 ans. Et ils ont été capables de trouver personne jusqu'à ce que Angel Studio prenne le film et le distribue. Le producteur, il y a une entrevue dans laquelle le producteur, je vais aller chercher son nom, Eduardo Verastegui explique qu'ils sont allés voir il y a quelques années, quand le film était fini, Netflix. Netflix a dit non, c'est pas pour nous. Netflix qui distribue puis qui produit toutes sortes de navets puis d'histoires bidons puis d'histoires qui sont pas mal plus tordues que ça, a dit non, non, ça c'est pas pour nous. Il est allé voir Amazon. Ils ont dit non, non, c'est pas pour nous. 5 ans que le film est fini, produit, édité. Et finalement, c'est Angel Studio qui a pris le film en charge pour le distribuer. Naturellement, Jim Caviezel, qui lui-même a adopté 3 enfants d'origine chinoise, lui aussi devenu très croyant. Le film qui l'a changé, c'est le film de Mel Gibson, The Passion of the Christ. Mel Gibson a lancé une petite vidéo sur les réseaux sociaux, lançant un appel au monde entier pour aller voir ce film-là. Mel Gibson qui s'est mis tout le monde à dos aussi, hein, avec son film Passion of the Christ, a lancé un appel et cet appel-là a été écouté naturellement par des millions d'Américains qui sont allés voir ce film. Le film est sorti dans la moitié des salles. Il y a la moitié des salles qui l'ont ignoré. Je pense qu'il est dans 2600 salles ou à peu près. Le film, à sa sortie, et encore aujourd'hui, est premier au box-office, avec la moitié des salles seulement, et a battu la sortie de Indiana Jones, produit par nul autre que Walt Disney, et on est très fâchés à Hollywood. Indiana Jones battu au box-office le 4 juillet par un film qui vient vraiment de nulle part, hein? Et là, on parle de... The Sound of Freedom. Wow! Indiana Jones et le cadran du destin numéro 1 du week-end a été battu par quelque chose de très étrange. Sound of Freedom, un film chrétien d'une petite société de cinéma sommaire et qui se dit pas vraiment chrétien non plus. Sound of Freedom a rapporté 14 millions de dollars le jour de son ouverture. Puis c'est pas un film facile, là. C'est pas un film commercial avec de la violence puis des effets spéciaux.
serait basée sur des événements réels, bien que beaucoup remettent en question sa véracité. C'est complètement mensonger. Tout est basé sur l'histoire réelle et le récit de Tim Ballard, qui est cet agent incarné par Jim Caviezel. Donc, c'est un sujet extrêmement controversé. Pourquoi? Parce que ça vient déranger et ça touche beaucoup de l'élite. D'ailleurs, le silence de l'Église catholique est ahurissant sur le trafic sexuel d'enfants. C'est à se poser des questions. Ça t'amène dans toutes sortes, quand tu, c'est comme le rabbit hole, toutes ces agences supposément de bienfaisance et chrétiennes, la plupart, hein, qui sont dans des pays en voie de ce qu'on appelle de développement ou émergent. Qu'est-ce qui arrive avec ces agences-là? Qu'est-ce qu'elles font vraiment comme travail, celles qui sont auprès de ces populations qui sont dans la misère, qui ont accès à tous ces enfants? Le silence de l'Église catholique, compte tenu du fait qu'elle a un historique depuis quelques décennies horrible sur les révélations d'abus sexuels dans ses collèges, dans ses pensionnats, puis de la part de prêtres, évêques à travers le monde. Le silence de l'Église catholique là-dessus est très révélateur. Et ça vient déranger énormément l'élite. Parce que c'est l'élite qui est dérangée avec ce genre d'histoire-là, qu'on essaye de présenter comme de la conspiration. Alors que c'est des faits qui sont bien réels, c'est des statistiques que tu peux trouver sur les à l'ONU et un peu partout, le nombre d'enfants qui sont abusés et qui sont pris dans des réseaux de trafic de sexuel d'enfants. Ce n'est pas des conspirations. Mais ça vient naturellement mettre mal à l'aise toute l'élite d'Hollywood. On connaît son historique. Toutes les élites du monde entier, on connaît leur passé. Donc, c'est formidable, c'est fascinant de voir encore une fois le public américain répondre en grand nombre face à une situation et à un film comme celui-là. C'est extraordinaire de voir le courage des Américains qui disent « Nous autres, on n'ira pas voir Indiana Jones, OK? On va aller voir Sound of Freedom. » Et ce film-là ne cesse de faire parler de lui. Vraiment extraordinaire. Cette histoire-là est révélatrice du fait que les gens commencent à s'éveiller et en avoir plein le pompon des leçons de moralité de un, des leçons de moralité de l'autre. Toutes des leçons de moralité qui viennent de gens dépravés, de gens qui n'ont aucune base morale pour appuyer leurs leçons de moralité. Que tu sois de gauche ou de droite, démocrate, ça n'a pas d'importance. Quand tu es face à des situations comme celle-là où les enfants sont utilisés par des criminels pour satisfaire la passion dépravée de probablement la majorité de l'élite qui utilise ces services-là, il n'y a pas de controverse là-dedans. Il n'y a pas de couleur politique là-dedans. Comme dit James Caviezel, les enfants de Dieu, c'est sacré et tu ne touches pas à ça. Tu ruines des vies pour toujours en abusant des enfants. Donc, ce film-là vient démontrer à quel point l'élite est dépravée, n'a pas voulu toucher à ce film-là pour des raisons évidentes qu'on connaît. Le silence d'Église catholique, le silence des médias. On essaye de décrire, puis de démontrer, puis de dépeindre ce film-là comme... Puis on associe ça à QAnon. C'est complètement taré. C'est l'histoire véridique d'un gars qui a travaillé 15 ans dans les services secrets, FBI, CIA et le Homeland Security. Tout le monde dit que ce gars-là est d'une authenticité et d'une rigueur. Mais encore là, vois-tu, les médias, tellement, parce que les médias appartiennent à la même élite qui nous gouverne,
via leurs journaux, télévision, essayent d'abord de ne pas en parler, puis quand ils sont obligés d'en parler, ils essayent de discréditer puis de minimiser le crime le plus horrible de l'histoire de l'humanité, le trafic sexuel des enfants. Donc ça, ça t'en dit beaucoup. Beaucoup. Donc, chapeau encore une fois à ces gens-là, chapeau à Jim Caviezel, qui a eu le courage une autre fois de prendre un film, puis un rôle, puis de l'amener où ça va aller. Probablement, ça va devenir historique, ça, là. Puis, comment veux-tu régler un problème si tu n'en parles pas? Puis ça fait l'affaire de l'élite, de jamais parler des vraies affaires. Parce que ça ne se règle jamais, comme l'histoire de ce trafic sexuel d'enfants. À qui appartiennent les ressources naturelles? On ne veut pas en parler de ça, hein? Pourquoi on donne le contrôle des finances, le contrôle de l'impression, puis le contrôle de l'argent au secteur privé, les mêmes qui nous mettent dans tout cet enfer sur Terre? C'est fascinant de voir ça, comment les médias veulent éviter, puis parler du n'importe quoi, parler de la race, nous diviser avec toutes sortes de conneries. Puis quand des sujets comme ceux-là arrivent, on essaie de les discréditer sans aucune preuve à l'appui, sans aucun fait. C'est dégueulasse. Alors, histoire formidable, je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes très, très sensibles à cette question de ce trafic sexuel d'enfants qui est mondial. Donc, je vous laisse quelques liens dans la boîte de description, vous irez voir ça. Nous autres, on n'aura probablement pas la chance, il faudra attendre, puis aller voir sur Angel. Angel Studio, c'est une application gratuite, OK? Moi, je l'ai mis sur mon téléphone, il y a beaucoup de films, beaucoup de séries. Il y en a eu qui ont été faites sur, naturellement, Jésus. C'est un peu, je pourrais dire, c'est une base chrétienne, Angel Studio, mais c'est toutes des choses qui sont faites d'une grande qualité. Et c'est gratuit. Tu t'envoies Angel Studio, tu télécharges, puis là, tu as accès à tous leurs films, là. Et à toute leur série, c'est gratuit. Je t'encourage à le faire, vraiment. Et je vous laisserai quelques liens d'entrevues avec Jim Caviezel, avec Tim Ballard et le réalisateur pour vous démontrer à quel point ils ont été sur Jordan Peterson. Ils ont été partout. Maintenant, c'est... Imagine-toi, pendant 5 ans, il n'y a personne qui voulait l'avoir, ce film-là. Je peux te dire une chose, avec le film bidon de Walt Disney, puis de son Indiana Jones, avec un Harrison Ford à l'article de la mort, pour dire une chose, honte à Hollywood. Bon samedi, je vous laisse ça dans la boîte de description.